Ouais, c'est vrai que le dernier match contre Bayonne, on a gagné chez eux. Après, nous, on n'est pas forcément dans une bonne phase non plus. Donc, ça va être le moyen de remettre les pendules à l'heure et de gagner à la maison et terminer l'année en beauté. Il me semble qu'on est. Il reste plus que trois équipes entre les deux à être invaincues à la maison. Donc, faut qu'on essaye de rester dans ces trois équipes-là. Et oui, forcément, ça met en confiance quand on sait que les équipes viennent chez nous, ils savent qu'on ne va pas lâcher le morceau. Ouais, à la maison, ça se passe bien. Après, le dernier match contre Angoulême, on a eu un peu de mal à ce jeu. Donc, même si c'est un match à la maison, il ne faut pas qu'on le prenne à la légère non plus et qu'on se dise que c'est gagné d'avance. Parce que Bayonne, je pense qu'ils vont vouloir jouer pour le dernier match de l'année. Donc c'est à nous d'envoyer du jeu et de gagner ce match. Ouais, il y a des hauts et des bas. On pensait qu'ils s'étaient relancés en gagnant à Nevers, après mettre 50 points à Narbonne. Mais après, j'ai regardé leur match contre Perpi. Ils se prennent deux essais en contre-attaque. Donc c'est pas non plus une équipe à prendre à la légère. Ils sont pas loin. Ils sont 7e ou 8e. Donc c'est important de gagner contre eux.